On les croit beaux, gracieux, on admire leurs couleurs, mais en fait, vu de près, ils sont horribles! Sale bête! Le papillon est un dégoûtant. On aime le papillon de jour pour les motifs de ses ailes. Mais on va se le dire, il a quand même une drôle de tronche. Pour se nourrir, il butine du nectar de fleurs, mais ce n'est pas tout. Avec sa trompe, il déguste urine, suintement d'excréments, humeur de cadavre. Est-ce dégoûtant? Oui, et ce n'est pas fini. Ce papillon picole purement et simplement. Il sirote tranquillement des fruits trop mûrs, des fruits qui sont par conséquent alcoolisés. Pensez-y la prochaine fois qu'un papillon vole autour de vous en zigzag. La libellule est monstrueuse! La libellule n'a pas toujours été cet insecte léger qui peuple les plans d'eau. Au temps des dinosaures, la libellule est géante. Elle a presque la largeur d'une porte. Et dans sa jeunesse, c'est pire, elle ressemble à Alien. La larve de libellule grandit dans l'eau. Et tac! Pour se nourrir, elle attrape à la volée têtards et poissons grâce à une mâchoire éjectable qui se déplie comme dans le film Alien. Schlack! Et pourtant, les libellules adultes restent un symbole d'amour car elles s'accouplent en formant un cœur. La luciole est moche! Une luciole, ça vole, ça clignote, mais en France, c'est assez rare. Ça, ce sont des lucioles. Ce qu'on appelle luciole chez nous est en fait un ver luisant. Avec lui, on est loin de la pimpante luciole des dessins animés. Le ver luisant est mou, plat, brunâtre. Le ver luisant est moche. Mais le pire, c'est qu'avec ses pattes et ses antennes, le ver luisant n'est même pas un ver. Son vrai nom, c'est l'empire. Sale bête!